avait lieu une représentation scolaire avec des musiciens afin de sensibiliser les élèves aux instruments baroques qui servaient autrefois à interpréter les chants d'oiseaux. Reportage de Camille Crescenzo et Jérôme Marignon, voyez. Quand un violon rencontre un oiseau, c'est tout un univers sonore qui s'ouvre aux écoliers. Une musique qui remonte à l'époque baroque, celle où il était de bon ton de jouer du flageolet pour apprendre des airs de musique aux oiseaux. Ils chantent leur air naturel, mais on peut leur apprendre des airs. Donc c'est la grande réflexion sur l'inné et l'acquis au XVIIIe siècle. Comment vous faites pour apprendre ces chants aux oiseaux ? Eh bien, en les serinant. Donc le mot seriner, donc répéter, vient du serin de Canaries, puisqu'on lui serinait des airs pour lui apprendre à chanter. En utilisant la serinette, le roi Louis XV avait des serins capables de chanter jusqu'à 12 airs différents. Des hommes et des oiseaux en harmonie, c'est aussi ce que recherche la Ligue de protection des oiseaux. Ces bénévoles ont initié les enfants à l'ornithologie. Il peut par exemple, en discutant avec son père qui veut essayer de tailler une haie en mai et juin, lui dire « Mais non, tu sais papa, les haies ça se taille à l'automne et en hiver ». Il a eu cette sensibilisation à la nidification, il connaît l'importance de maintenir la biodiversité au jardin. Le chant du coucou. J'ai bien aimé le rossignol. J'ai appris qu'il y avait des petites flûtes, et aussi des grandes flûtes et des violons. Et qu'est-ce qu'elles font les flûtes alors dans ce concert ? Elles font les chants d'oiseaux. Des chants d'oiseaux que le public pourra découvrir dimanche lors du concert de clôture au sein de l'église.